La Reine du Sud de Païta qui accueillait un choc de Super League Futsal le samedi 23 juillet dernier pour un duel de haut de tableau attendu entre l'actuel 3ème l'AS Université et le second au classement l'AS PTT. Champion en titre l'UNC contre le champion 2020 l'AS PTT, le coach de l'Université Stéphane Parage. Face à Michel Wassine, le technicien des PTT, il y avait du beau monde sur le parquet de la Reine ce samedi 23 juillet. De quoi ravir le public et les amateurs de futsal calédonien. Calédo-foot qui était présent pour l'occasion, votre émission web du foot Kagou qui revient en image sur cette confrontation pleine de suspense entre l'AS Université et l'AS PTT, une rencontre qui comptait pour la 14e journée de Super League Futsal. Encaissant l'ouverture du score à la 5e minute, l'UNC subit en ce début de rencontre. Jusqu'à cette interception de Valérian Michalak, le joueur de l'Université part seul au but et remporte son duel face au gardien Jimmy Mehoun. Michalak qui égalise, on joue depuis 7 minutes et le score est d'un but partout. Dans la minute qui suit, sur une action placée de l'AS PTT, Harry Maloko tente un tir au ras du sol, James Namouli est à l'affût et redonne l'avantage aux jaunes et bleus. Ça fait 2 buts à 1 pour l'AS PTT. Les deux formations qui vont ensuite avoir chacune coup sur coup de belles opportunités. Avec notamment du côté UNC ce beau mouvement enclenché par Paul Gorou et cette frappe à côté de Waikata. Les acteurs qui se livrent une belle bataille sur le parquet de la Reine du Sud et ça attaque de tous les côtés. Chris Pay pour la SPTT. Jarima Nauchoué pour l'UNC seront tout proches de trouver le chemin des filets. Et c'est finalement Joël Djamoué, quart d'heure de jeu, puis le capitaine Marcel Nepeoun, 3 minutes plus tard, qui vont faire basculer cette première période. La SPTT qui s'envole en cette fin de première mi-temps. Et cela fait 4 buts à 1 pour les hommes de Michel Wassine. Retour des vestiaires, de nouveaux entrants. Et l'Université qui va alors mettre davantage d'impact dans les duels afin de revenir au score. Cela sera chose faite tout d'abord par Acer Zuma, 2 minutes seulement après la pause. Nepeoun lui est tout proche du doublé mais trouve le poteau. L'UNC est bien mieux dans cette seconde période. Le match lui se durcit au fil des minutes et la belle réaction des joueurs de Stéphane Parage sera à nouveau récompensée avec ce but magnifique de Jarima Nauchoué. L'Université n'est plus qu'à un but de retard
et met sous pression son adversaire, qui réagit mais sans réussite. On joue la 36e minute de jeu et la pression monte. C'est le moment choisi par le capitaine Jean-Philippe Sellé pour trouver la faille sur coup franc. Mené de 3 buts à la pause, l'UNC égalise, offrant au passage au public de l'Arène du Sud une fin de match à véritable suspense. Seulement voilà, dans la foulée, juste après le temps mort, l'ASPTT profitera d'un oubli de la défense de l'AS Université pour reprendre l'avantage grâce à Richard Wanebango. Fin de match à sensation et ça fait surtout 5 buts à 4 désormais pour les jaunes et bleus. L'UNIV va alors tenter le tout pour le tout afin de revenir à nouveau au score. Mais le portier Mathieu Wassine sort le grand jeu. Les dernières secondes de jeu sont intenses et intenables. L'UNC pousse, se découvre et jette ses dernières forces dans la bataille. Cela ne suffira pas. La SPTT s'impose sur le fil 5 buts à 4 au terme d'une superbe rencontre. L'équipe du capitaine Marcel Nepeun, qui réalise au passage une superbe opération au classement, profitant de la défaite surprise à l'IFU du leader FC Ferrand. On écoute les deux coachs, Stéphane Parage et Michel Wassine, au micro de Calais de Foot. Satisfait de, surtout de la réaction qu'on a en deuxième mi-temps. On est quand même mené 4-1 à la première mi-temps, ce qui ne reflète pas trop ce qu'on voulait faire surtout, où on s'est fait avoir sur les deuxièmes ballons et on a manqué d'agressivité. Dès le moment qu'en deuxième mi-temps, on a mis l'agressivité positive, je dirais, ça a été de mieux et en plus on les a gênés en allant au pressing et le résultat était là. Après, on revient à 4-4. Le cinquième, c'est une petite erreur, on oublie un joueur au deuxième poteau et on le paye cash. C'est la loi du sport, c'est comme ça. Le meilleur aujourd'hui a gagné et félicitations à la SPTT. On a des nouveaux, on a surtout notre capitaine Jason qui est blessé. Et là, on voit que sur des gros matchs comme ça, ben ouais, ça, il manque. Mais voilà, après on travaille, on a du monde dans l'entraînement. J'arrive à avoir entre 20 et 25 bonhommes à chaque entraînement, donc c'est positif. Les garçons ont envie, malgré les résultats qui sont peut-être un petit peu en dents de scie cette année. Mais c'est pas grave, ils sont toujours là et ils ont envie de bosser. Rien n'est perdu, comme je leur dis, on fera les comptes à la fin de la saison. Et tant que le coup de sifflet final n'est pas sifflé, on joue. Toujours des bons matchs contre des équipes contre l'UNC. Je tiens à les féliciter pour leur deuxième. Ils ont gagné la deuxième. Toujours des beaux matchs contre l'UNC. Ouais. Coach satisfait ce soir de la performance de vos troupes? Dans l'ensemble, oui. On avait la première bien maîtrisée, la deuxième beaucoup moins, mais avec un réveil de l'UNC, je vais dire. Et derrière, on a reculé et on s'est fait même revenir à la marque. Et derrière, on a réussi quand même à mettre le but qu'il faut. Et voilà, après, à chaud comme ça, c'est très compliqué mais on va retenir la victoire sur ce côté-là. L'ossature, elle est toujours là, d'un groupe depuis pas mal d'années déjà. Et voilà, des jeunes joueurs qui ont besoin de travailler, qui sont vraiment bien dedans. Hein. Ils sont vraiment impliqués. Beaucoup de travail encore à faire, mais c'est une satisfaction toujours de travailler avec les plus jeunes. Ça pousse aussi les autres à se maintenir, on va dire. Les objectifs, pour être honnête, je mise toujours sur le groupe avant tout. Hein. Après, les objectifs, je laisse les garçons aller chercher. C'est sûr que oui, si on s'entraîne 3 fois par semaine, c'est pour quelque chose. Après, c'est le résultat, c'est toujours le travail en amont qui s'est fait. Hein. Mais le principal pour moi, c'est le groupe, comme pour l'ensemble des joueurs. Quoi. C'est d'abord le groupe avant tout. Voilà, c'est déjà fini pour ce numéro de Calais de Foot spécial Super League Futsal. On se retrouve très vite sur la FCF TV Web
Et n'oubliez pas, d'ici là, toutes les vidéos du foot cagoule qui sont à voir et à revoir sur la chaîne YouTube FCF TV. Ciao à tous.